Peggy 18. Bon, passons par derrière. Des coureurs. Alors, eux peuvent nous voir. C'est un peu le problème, et je suis censée passer par là. Pas par là-bas parce que c'est fermé. Donc on faut passer celle-là. Attends. Non. Non, ça. Ça. Putain, hé, mais. Espèce d'abruti. Ça, là. Ils vont me faire péter une durite. Non, non, non. Bon. Merde, j'ai tous ramoté ici. La brillante idée. Putain, c'est pénible, hein. Ouh la vache. Non. Alors réfléchissons. On a un coureur ici. Non, ça c'est quoi? Ça, c'est un claqueur. Ça, c'est un claqueur, c'est une tête de chou. Les coureurs, il y en a un là. Enfin, une. Donc elle, on peut lui passer à côté sans qu'elle nous voit. Par contre, celle-là, elle va nous voir. Il faudrait qu'on puisse éliminer. On ne bouge plus. Quel je vais m'en occuper. C'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Voilà.
elle, il faut qu'on essaye de la suivre. Pour s'en occuper. Du coup, je sais tant qu'elle passe près de nous. Je le crois pas. Allez hop. Parler un truc. Dans le couloir. On pourrait passer par les salles de classe. Ouais, Joël, si, tu vas où comme ça? Par là. Mais je fais ce que je veux, arrête de gueuler, hein, c'est bon. Si elle fait le tour, on est dans l'os. Je passe. Non, mais tu t'occupes de ce claqueur? Je crois que j'ai failli tirer sur la gamine tout à l'heure. Poussez-vous. On dirait qu'il y a un passage dans le couloir. Oh non, c'est pénible ça. À croire que t'es obligé de te faire pérer. C'est pénible. L'horreur, putain. Ok. Aide-moi à l'ouvrir. Ok, prêt? Encore une. Allez. Il y en a d'autres en chemin. Barricadez les portes. Ça marchera pas longtemps. Oh, c'est pas bon signe. Oh, c'est quoi ça? Putain, c'est quoi ça? Elle est à l'abri. Je m'en charge. Ah, mais non. Putain. Ah, mais si je passe dans le...
toi, soigne-toi. Putain, non, soigne-toi. Ouh. C'est dégueulasse. Eh, mais c'est dur, hein. Non. On se soigne, on se soigne. Il me balance ses spores dégueulasses là. Marche dans le feu. Putain. Non. Mais bouge-toi de là, bordel. Tu veux pas mourir? Tu ne m'auras pas. Allez. Oh, c'est où est-ce qu'il est? C'était quoi ce truc difforme? Ça fait longtemps qu'il est infecté. On les appelle les colosses. Un colosse. Ok, pigé. Vraiment navré d'interrompre votre cours de biologie, mais j'aimerais foutre le camp d'ici. Vite! Bah moi aussi, figure-toi. Attends. Allez, on monte sur les gradins. Aide-moi, Joël. Attends, 2 secondes. Je reprends mon souffle, voilà, hein. Parce que j'ai plus rien de munitions. Des trucs là en fait. Ouais. Allez, hop. Que de balles. Waouh. Je vais aller loin avec ça. Non. Ou alors si ça s'embête pas, je vais essayer de refaire des trucs. Ouais, kit de santé.
Voilà. Allez, on y va. Ok. C'est parti. Faut être deux pour le soulever. Ok, okay, allez. Joël, derrière. Fais chier. Allez, aide-moi. Je m'en charge. Putain, mais... Qu'est-ce qu'il fout là? Il met deux pas quoi. Vous êtes sérieux? Allez, cours! Règle-lui son compte! Ces trucs. Tu te foutrais pas un petit peu de ma gueule? Tu les as eus. T'as une arme à feu ou quoi? Il aurait pu m'aider depuis le début, mais non. Je veux pas de ton aide. Remonte-moi. Non mais c'est quoi ça? Va ici. Continuez, je suis derrière vous. Allez. Allez, monte, monte. Laissez-moi, vite. Bon, on s'en est bien sorti. Ok, je vais aller inspecter cette partie de la maison. Bill, quelqu'un a eu la même idée, on m'a volé mon matos. Alors maintenant, c'est quoi le plan B? Tu devrais t'estimer heureux d'être toujours en vie. C'était le plan A, B, C, et comme ça jusqu'à Z. Et tant qu'il y est, dis à Tess que son putain de boulot... Ne mêle pas Tess à ça. Elle peut se foutre. Ça n'a rien à voir. Putain. Quoi, tu connais ce type? Frank. Et c'est qui, Frank? C'était mon partenaire. Il n'y a pas deux crétins pour porter une chemise comme ça. Il s'est fait mordre. Ici. Et... Je suppose qu'il voulait pas se transformer, alors... Ouais, ça doit être ça. Tant pis pour lui. Hé, regardez ce que j'ai trouvé. Elle démarre encore. C'est ma batterie. Quel enfoiré. Descends. Descends. C'est bon, ça va. La batterie est à plat, mais les accus fonctionnent. Du coup? Du coup, on la pousse, on la démarre et l'alternateur va recharger la batterie. T'es sûr de ça? Écoute, tu voulais un plan B. C'est tout ce que j'ai à t'offrir. Qu'est-ce que t'en dis? J'en dis que tu conduis et qu'on pousse. Merde, toute chose. Encore des trucs à moi. De Dieu. Encore des trucs à moi. Alors quoi, tu vas juste me piquer ce que j'ai et filer, c'est bien ça, Franck? Tu devrais aller fouiller la maison, tu trouveras d'autres trucs utiles. Ouais, bonne idée. Je vais me gêner.
là, viens là. Je te préviendrai. Ouais. Sacré Franck. T'es un petit cachotier, hein. Putain, il y a tellement de trucs chez lui. Même de la bouffe. Alors Bill, je doute que tu trouves un jour cette note, car tu as toujours eu peur de venir dans ce coin de la ville, mais si jamais c'était le cas, sache que je te déteste. J'en ai plein le cul de cette ville de merde et de ta petite vie bien rangée, pour moi la ville c'est pas ça. Mais ça te dépasse, et cette saleté de batterie dont tu te plains sans cesse, j'en ai marre, tu as sans doute raison, tenter de quitter cette ville me tuera. Mais ce sera toujours mieux que de passer un jour de plus avec toi, bonne chance. Signé Franck. Waouh. C'est l'amour fou. Bon, je pense que j'ai tout. Qu'est-ce que je pourrais faire? Temps de confection, non? Prêt? Ouais, ouais, on y va. Bill, j'ai trouvé ça et je voulais que tu l'aies. C'est ce que tu ressens. Va te faire foutre, Franck. Mais quel con. On y va? On y va, allez. Attends, non, j'ai vu un truc. Ah, encore une note de Franck. Ah non, c'est la note qu'il a balancée par terre, d'ailleurs, c'est la même. Hein? C'est ça? Oui. Attends. Non. Allez, on est parti. Est-ce que ça va aller? Ouais, t'inquiète pas. Je suis fier de toi. Je tenais à ce que tu le saches. Je vais pas te décevoir. Ok. Et la lumière dans les yeux, ça va? Je te gêne pas trop. Allez, zo. On y va ou on y va pas? Ah non, faut que je pousse, d'accord. Ok, c'est parti. Vas-y, passe la première. C'est déjà fait. Mais garde le pied sur l'embrayage, et quand ça commence à rouler... Je sais passer une vitesse. Comment tu sais ça? En fait, je m'en fous, mais fais pas tout foirer. Ok, Ellie, prépare-toi. Maintenant, vas-y. Accélère! Parfait. Hey, bien joué, petite! Allez. Allez, on pousse, allez, on pousse. Ok, ça c'est à gauche. Merde! T'en occupes ou pas? Allez! Camion. Faut qu'on aille plus vite. Mais on fait ce qu'on peut. On arrive à atteindre la colline. On va faire redescendre. Qu'est-ce qu'il dit que la cœur? Je les entends, je les entends. Beaucoup de temps, on retourne pousser. T'as vraiment foutu ma journée en l'air. Tu le sais ça, Joël, hein? Encore un claqueur. Ah!
Ok, Ellie, prépare-toi. Ouh, cours. Vas-y, Ellie, démarre. T'entends ça, Bill? Allez, 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 allez. Putain, la gamine de 14 ans qui sait conduire. Merde. Je sais pas où elle a d'appris, mais... Ok, c'est bon. Stop. Laisse-la tourner, ok? Cette gamine a failli nous faire tuer. Tu veux rire? Elle nous a sauvé la vie. Elle s'en est bien sortie, là-bas. Toi, tu vas y laisser ta peau. Ouais, c'est bien possible. Oh, oh. Tiens. C'est quoi? T'imagines pas le nombre de caisses qui contiennent encore de l'essence. Bon, oh, siphonné. C'est cool. Écoute, Bill, à propos de ton pote tout à l'heure, c'est vraiment moche. Et je... On est quitte? On est quitte. Alors foutez le camp de ma ville. Ok, shérif. Tu devais pas dormir? Ok. Je sais que ça en a pas l'air, mais ce truc-là, c'est pas mal. Il y a qu'un problème. Regarde, la suite prochainement. J'ai horreur du suspense. Où t'as trouvé ça? Chez Bill. Enfin, ces trucs traînaient un peu partout. Et t'as pris quoi d'autre? Ben... Tiens. Ça te rend un peu nostalgique? Tu sais, ce truc date en fait d'avant mon époque. Oh. Une cassette, c'est une belle trouvaille. Wow. Bon, c'est mieux que rien. Non. Je suis sûre que ton ami va regretter ça ce soir. Mm-hmm. Y a pas grand-chose à lire, mais les photos sont intéressantes. Oh, c'est un truc de cul. Ça, c'est pour les adultes. Waouh. Comment il peut arriver à marcher avec ce truc entre les jambes? Allez, jette-moi ça. Attends un peu, je veux comprendre pourquoi ça vous passionne autant. Oh, pourquoi les pages sont collées? Tu veux pas savoir. Je me fous de ta gueule, c'est tout. Allez, salut! Tu sais quoi? C'est pas si mal, en fait. Pourquoi t'essaierais pas de dormir? Je suis même pas fatiguée. Oh non, non. Eh ben... Ah, super. On fait quoi? On marche. Fais chier. Doucement. Pitié, aidez-moi. Est-ce qu'on va l'aider? Attache ta ceinture, Ellie. Et ce type, alors? Oh, il est pas blessé. Il a pas de chance avec les voitures, lui. Hein.